Le port de l'Esconil, dans le pays bigoudin, est à juste titre réputé pour la qualité de sa pêche de langoustine du jour. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que ce succulent crustacé se retrouve sur de nombreuses tables gastronomiques sous le nom de « Demoiselle de l'Esconil », une appellation flatteuse à la taille de sa réputation. Durant l'hiver, le bateau appareille vers 5 heures du matin. Mais aujourd'hui, en ce début de mois d'août, il est à peine 3 heures quand Linizan, l'homme de quart à la barre, quitte le port. Le reste de l'équipage a rejoint les couchettes et reprend le sommeil interrompu en cours de nuit. Linizan met alors le cap sur la Grande Vasière, sa zone de pêche, un vaste plateau sous-marin situé au sud des îles Glénan, face à Pinmar, à 3 heures de route environ du port. Le rôle de l'homme de quart est fondamental, car de son attention et de sa connaissance du milieu dépend la sécurité de ses camarades. Nombreux sont en effet les bateaux qui, à cette heure-là, quittent l'Esconil ou les autres ports bigoudins pour gagner la Grande Vasière. Voilà deux générations, en effet, depuis l'apparition des premiers chalutiers à moteur, que les marins bigoudins fréquentent ce site riche en langoustines. Michel Lucas, 42 ans, est le patron de Linizan, un chalutier bois de pêche côtière long de 13 mètres, construit par les charpentiers associés à l'Echiagat, un chantier traditionnel très connu dans la région. L'équipage se compose de Claude le Bosco, un terme de marine qui signifie « maître de manœuvre », de Henri, matelot et maître coq, et de Bruno, le fils de Michel Lucas, qui, conformément à la tradition familiale, rejoint le bord à l'occasion des vacances scolaires. Linizan, baptisé du nom d'îlot rocheux situé devant le port de l'Esconil, est propulsé par un moteur de 220 chevaux. Sa consommation quotidienne de gasoil est de 450 litres. Comme la plupart des marins de sa génération, Michel Lucas a, dès 15 ans, été formé par son père sur le chalutier familial Michel Anne, prédécesseur de Linizan. Linizan, qui est équipé de deux chaluts identiques à l'arrière, met en pêche vers 6 heures du matin. C'est le moment pour l'homme de quart de laisser sa place à la passerelle et de prendre un peu de repos. Le trait, l'action de pêche, commence au moment où les chaluts sont mis à l'eau. Il dure environ une heure et nécessite une attention permanente. Le poids des panneaux, l'assemblage de chaînes d'acier, de grosses manilles, rendent en effet, et surtout par gros temps, la manœuvre délicate. Les responsables des treuils, placés à l'avant du bateau, n'ont aucun contact visuel avec leurs camarades. C'est pourtant de leur réaction, de leur connaissance du métier, que dépend le déploiement correct, l'équilibre et la tension du train de pêche, et par là même le volume des captures. Un chalut qui vrille, un jeu de fun trop ou trop peu tendu, et c'est toute l'opération qui est remise en cause. Le chemin qui mène à la Grande Vasière coupe régulièrement celui des gros navires marchands, montant ou descendant de la Manche. Les risques de collision existent et demandent de la part du patron une surveillance constante de son cap et de sa route. Regagnant la passerelle, Michel reprend le contact phonique permanent avec ses confrères. Grâce à la VHF, en effet, abréviation de l'anglais « Very High Frequency », une radio qui émet et reçoit des ondes très courtes, les bateaux restent en contact permanent. Indispensable à la sécurité, la VHF possède un canal particulier, le 16, exclusivement utilisé en cas de SOS. Les autres canaux demeurent libres et servent aux échanges quotidiens entre pêcheurs. C'est une véritable flottille qui travaille alors sur ces fonds de 80 à 130 mètres, essentiellement constitués de dépôts sablo-vasards, et de gravier relativement meuble, et qui abrite également de nombreuses espèces de poissons côtiers, comme le merluchon, le rouget, le bar, la limande, la lotte
ou encore la sole. Le trait achevé, les chaluts sont embarqués l'un après l'autre sur les enrouleurs. Leur conception sur ordinateur, leur fabrication assurée sur les bases de cahiers des charges précis, intègrent parfaitement toutes les caractéristiques destinées à en améliorer les performances et la manutention. Bien que d'origine sablonneuse, en effet, le fond est souvent encombré d'énormes blocs de rochers, de cailloux de plusieurs centaines de kilos, d'épaves diverses. Et il n'est pas rare que, de nos jours encore, des bateaux ramènent des débris d'avions de la dernière guerre, de vieux moteurs et parfois des mines encore actives. C'est au patron du bateau que revient la responsabilité de libérer rapidement la pêche ou pocher qui se répand sur le pont. C'est également lui qui assure la fermeture du fond du chalut par un nœud dit nœud de cul, très solide et ingénieux qui se défait d'un seul geste. La pêche est lavée à grande eau et les chaluts aussitôt remis à l'eau. Une série de flotteurs compose la corde de dos, c'est-à-dire la partie supérieure de la gueule. À l'est, le bourrelet et des rouleaux appelés Scooby-Doo maintiennent le chalut sur le fond et favorisent l'exploitation des couches superficielles de gravier. Afin d'éviter l'emmêlement des poches, des chaînes ou des câbles, les marins observent un léger décalage durant l'opération de mise à l'eau, aussi appelée filage. Une accélération longue et sèche du moteur, suivie d'une avance au ralenti, permet au chalut traîné sur l'eau de se positionner correctement par inertie, grâce à l'air du bateau. Une grosse chaîne, solidement maillée entre les deux chaluts, assure leur parallélisme. Largués quelques instants plus tard, les panneaux jouent alors leur rôle de lest et d'écarteur, en permettant aux chaluts de prendre mécaniquement leur position de pêche. Les manœuvres du treuil jouent un rôle fondamental dans le filage du chalut. Le jeu des volants permet d'actionner les freins et de contrôler la tension des funes. En cas de croche sur le fond, en effet,
Celles-ci peuvent se rompre et se transformer en redoutables fouets d'acier. Les marins responsables du treuil, ici Claude et Henri, acquièrent une expérience irremplaçable qui leur permet d'anticiper sur le comportement du chalut dans les accidents du fond. Le chalut est une vaste poche conique de mailles tressées à fond ouvrant, tractée par des câbles d'acier appelés funes. L'ouverture en largeur du chalut, sa gueule en langage maritime, est assurée par de lourds panneaux d'acier ou de bois qui en assurent l'équilibre et la stabilité. Le poids des panneaux, l'assemblage de chaînes d'acier, de grosses manilles, font de ce long entonnoir un engin de pêche très efficace. Une série de flotteurs compose la corde de dos, c'est-à-dire la partie supérieure de la gueule. À l'est, le bourrelet et des rouleaux appelés Scooby-Doo maintiennent le chalut sur le fond et favorisent l'exploitation des couches superficielles de gravier. La langoustine, de son nom scientifique Nephrops norvegicus, est un crustacé dont les plus gros spécimens atteignent une quinzaine de centimètres. Elle vit enfouie dans des galeries, de véritables terriers creusés dans le sable où elle niche et se reproduit. Sa taille marchande est de 8,5 cm. Les mailles du chalut étant prévues en conséquence afin de limiter au possible la prise d'individus immatures ou de poissons juvéniles. Le trait de chalut en cours, ce temps est mis à profit pour l'entretien classique, quelques réparations ou la préparation du pont pour la première partie de la pêche. Commence alors le tri par taille, espèce, catégorie, un travail quotidien très pénible qui s'effectue à genoux sur le pont, par tous les temps. C'est lui pourtant qui permet d'assurer la qualité de la sélection et de mettre en marché les plus beaux spécimens, tels les langoustines royales, des pièces atteignant près de 15 cm. Surveillant à la fois ses appareils et la zone de pêche, Michel suit un tracé précis, reconnu depuis des années. L'expérience joue en effet un rôle considérable et permet d'éviter le maximum d'obstacles naturels ou artificiels dispersés sur le fond. Le premier tri achevé, les langoustines sont une nouvelle fois lavées à grande eau. Jusqu'au retour au port, la langoustine est maintenue vivante sous des rampes d'eau de mer, alimentée en permanence par une pompe à gros débit branchée sur le moteur. La manche à eau, une lance d'arrosage à gros débit d'eau de mer alimentée par une pompe, débarrasse le pont des débris divers mêlés à la pochée. Fragments d'algues ou de coquillages, résidus de concrétion calcaire, graviers de fond sont évacués par les dallos, des ouvertures rectangulaires pratiquées au ras du pont. L'heure du repas, vers midi, est celle où Michel peut consacrer un maximum de temps aux échanges divers VHF avec ses confrères, dont plusieurs naviguent à proximité de l'Inizan.
Le trait achevé, les chaluts sont embarqués l'un après l'autre sur les enrouleurs. En jouant sur la manette des gaz, Michel débarrasse les mailles des plus gros dépôts de sable et de gravier. Pour des raisons climatiques et biologiques, la meilleure période de pêche s'étend de mars à juin. On dit alors que la langoustine travaille. Elle quitte ses refuges et son activité s'avère une aubaine pour les pêcheurs. Ainsi, au mois de mai de cette année, Linizan a ramené 380 kg de langoustines en une seule journée de pêche. Les déchirures du chalut sont, pour les moins importantes, réparées sur le pont. Cette opération, qui permet de reconstituer les mailles d'origine, s'appelle le ramandage, une succession de nœuds marins effectués à l'aiguille à ramander, une pièce de bois ou de plastique effilée et évidée. En cours de journée, elles font l'objet d'un calibrage définitif par taille, avant d'être conditionnées dans des caisses normalisées, propriété de la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper, gestionnaire des infrastructures portuaires. C'est donc dans un parfait état de fraîcheur que la demoiselle de l'Esconil arrivera chez le marieur, sur l'étal du poissonnier et dans le panier de la ménagère. Il est environ 17h quand la flottille regagne le port. L'Esconil, que l'on a parfois appelé le petit poussé des ports bigoudins, défend avec passion la qualité de son activité. C'est ainsi que chaque été s'organise ici une immense fête de la langoustine qui attire des milliers de gastronomes. Malgré une saison tardive et en dents de scie cependant, et alors que le mois d'août demeure traditionnellement peu productif, la pêche du jour est bonne. Linizan débarque en effet 200 kg de belles langoustines et plusieurs divers, une appellation qui regroupe différents types de poissons côtiers comme le merluchon, la saule ou la limande. Dès l'arrivée au quai, les 200 kg de la pêche du jour de Linizan, stockés en caisse, sont débarqués et pesés sous la criée. La vente du soir se déroule vers 17h. Seuls les marieurs professionnels sont autorisés à acheter sous criée, le prix étant fixé par la loi de l'offre et de la demande. La marchandise est ensuite diffusée dans les différents réseaux par les multiples circuits de distribution existants sur le marché. Donc il nous faut pour cette recette, il nous faut 1,5 kg de langoustine environ pour 4 personnes, des grosses de préférence, 2 oignons, 2 carottes, 2 oignons, 2 tomates, 2 décilitres de crème fraîche, quelques crêpes, j'en ai mis 3, 4, tout dépend, un petit peu de pommeau ou de cognac, un verre de vin blanc, il nous faut une grande casserole d'eau bouillante, dans lequel on va plonger les langoustines vivantes, bien sûr. 3-4 minutes pour les plus petites. Là, je retire un peu les plus petites d'abord. S'il y en a des plus grosses, on les laisse un peu plus longtemps. Maintenant, les langoustines sont cuites, on les laisse un petit peu refroidir pour pouvoir les décortiquer. Voilà, et on va garder les carapaces pour faire le jus de crustacés qui va nous servir d'accompagnement, qui va être la sauce d'accompagnement des langoustines. Ensuite, nous allons prendre une grande casserole et plonger les têtes de langoustine, les queues de langoustine, bien arrosées d'huile d'olive. Les oignons, on va les hacher grossièrement. Là, les deux tomates, on va les couper en dés. C'est ce qui va nous donner un peu de couleur pour la sauce et un petit peu de liaison également. Voilà, pour la garniture, on a les oignons, les carottes,
les tomates. Voilà, quand les crustacés, les carapaces sont bien chaudes, on va y mettre les oignons, les carottes, et on laisse bien chauffer l'ensemble. Pour faire le bouillon, il faut compter une petite heure de préparation. Il faut que ça mijote bien dans la carapace. Le temps de faire caraméliser, de mouiller et de faire cuire, il faut bien une heure. On y ajoute les tomates. Une fois les oignons bien sués, là on va concasser les têtes et les pattes pour retirer le maximum de saveur dans le jus. C'est un peu le fond d'américaine avec des langoustines, au lieu que ce soit avec du homard. C'est un peu plus économique, quoique. Une fois les crustacés bien sautés, bien revenus avec toute la garniture aromatique, nous allons déglacer avec un petit peu d'alcool, je dis avec du pommeau, du cognac éventuellement. Bon, on est en Bretagne, on va rester sur le pommeau. Un bon petit verre de pommeau. On va laisser évaporer quelques minutes et on va ajouter un bon verre de vin blanc. À partir de là, on va mouiller le fond et laisser cuire l'ensemble pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Une fois que le bouillon a frémi, a bien ébullitionné pendant, disons, 20-25 minutes, on va le chinoiser et le remettre en réduction. Une fois qu'on a cette consistance, on va légèrement crémer et légèrement recuire. Bon, j'ai là pour 4 personnes un petit peu de crème. Voilà, c'est parfait. On n'a plus qu'à attendre un petit bouillon et on va continuer la recette avec les lanières de crêpes. Crêpes de blé noir, oui. Donc j'ai pris 2 crêpes, je vais les rouler. Il faut des crêpes un petit peu rassis, disons de la veille, c'est très bien, pas trop fraîches. On va les rouler et on va découper des petits rouleaux qui vont nous former les lanières. On va mettre dans une poêle une bonne noix de beurre. On va mettre un petit peu de beurre parce que la crêpe boit pas mal de matière grasse et si on veut quelque chose de croustillant. Donc on va terminer la recette avec les queues de langoustine dans une poêle très chaude avec une noix de beurre. Pour terminer, un petit peu de fleur de sel qui va donner un petit craquant sur la langoustine. On va dresser un fond de sauce. Les langoustines en rosace. Et les petites lanières de crêpe au milieu. Terminé, ciboulette ou persil. Hein. Un petit peu de verdure qu'on a sous la main. Le sauté de langoustine au jus de crustacé. Et lanières de crêpes croustillantes au beurre salé.